Merde! Il a traversé les terres des Russ. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue, attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir. Je ne serai pas rentré pour l'hiver comme je l'espérais. Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent Svetloyar. Le prophète a prêché ici, et les villageois refusent désormais de m'héberger. J'ai dormi sur les berges du lac, où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil. Je l'ai tué pour en faire un exemple. Et maintenant, les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe. Je dois faire vite. Le fléau se répand. Merde, ça va être froid. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Un Pesa. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire mongol. Ça dit, par le pouvoir des cieux éternels, sur ordre de l'Empereur, quiconque manque de respect est coupable d'un crime. Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là ? C'est mongol. Mais ils sont bien passés par là.
Je dois pas être loin de la cité perdue. Une broche byzantine. L'émaillerie est splendide. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé, et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. 6 des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent, et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussirons à sortir de ces cavernes de glace et reprendrons notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir juste un peu. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Transportaient-ils toutes ces richesses avec eux ? Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. C'est fini. Nous allons mourir ici, à cause de Caraldus et de la folie de l'Ordre de la Trinité. Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan. Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace, alors que l'hiver était trop avancé.
Nous aurions dû rebrousser chemin. Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcés à naviguer sur des affluents peu profonds, jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre. Ceux qui refusaient d'obéir, il les menaçait de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'il meure ici, avec nous. Je garde toujours un peu de poison, au cas où le navire se ferait attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. Ce fou poursuit sa route. J'ignore ce qui le fait avancer. Nous traversons les montagnes gelées aux confins du monde. Son peuple meurt. Tous les jours, je croise des tombes ou des corps abandonnés le long de la piste. Je suis amaigri et endurci, mais je touche au but. Mon cheval est mort. Cette jument qui me suivait depuis les campagnes contre les Bulgares. Je l'ai découpée. Et je porte la viande sur mon dos. Ils sont si proches. Je les entends chanter juste derrière la crête. Un son joyeux porté par le vent. Le prophète sera mort dans la semaine. Et je retournerai voir l'ordre de la Trinité. Triomphant. Plus qu'un jour. Et je l'aurai rattrapé.